Hello, I'm Fred Raynaud. I am the director of the short movie The Shadow of the Beast. First, I want to say how proud and exciting we are to be screening at the SOHO Film Festival. The Shadow of the Beast evokes the vision of childhood, its curiosity, and its freshness. This is the story of Louis, 9 years old, living in a remote village in Provence in 1914. Louis investigates the emergence of a danger that is gradually surrounding the locality. Quickly, Louis associates this danger with the return of the Beast of Gévaudan. To dive into his vision of the world, we film the story at the first person. Thank you so much, SOHO Film Festival, to selecting The Shadow of the Beast. This is a great honor. And here is the trail. Alors Louis, on part sur quelle histoire ce soir? Pourquoi pas l'histoire de la bête? C'est sûr, il s'est fait croquer, petit Paul. Louis! Tu voudrais pas changer un peu? C'est la préférée de Pégase, papa. Vous sortiez. Alors? Je te laisse deviner. Petit Paul, il s'est fait manger par la bête? D'accord. Très bien, mais cette fois-ci, je vais la raconter à ma manière. La bête, et pour ça, je vais avoir besoin de magie. Et c'est moi la magie. Les mythes de créatures surnaturelles, il y en a tellement. Mais celui-là, il dépasse l'entendement humain. C'est un grognement qui résonne au-delà des villages, au-delà du temps. Car la bête immonde qui rôdait comme une ombre attaque de nombreux villages. Mais des villages qui ont su s'organiser pour lutter et faire taire ce grognement. Tu sais que c'est qu'une histoire, hein? Bah oui, je sais. Bien, mon grand. Bon, allez, maintenant, c'est l'heure de dormir. Ok.